47, 40, 14, 48, 41. C'est bon ça. Alors je vous donner votre adresse à l'accueil. Voilà, et comme ça, alors que les musiques pourraient venir à la conférence de notre numéro d'innovation, le départ vient d'être donné à la 67 de France à votre député. Voilà, et le départ est donné au Antoine Benoist et des Chancettes. Sur l'hippodrome, avec une vitesse attendue du parcours qu'aura lieu la première manche donc, de la Coupe de France des 2019-2020. Donc, Antoine Benoist, l'homme qui a connu le podium au championnat d'Europe en Coupe de France, qui a fait une belle carrière sur la route. On l'avait vu dans Gand-Wevelgem, au classique de l'Indre. Il avait brillé également 3 jours de la Panne, où il avait été le vainqueur. Et là, derrière, on est en 3e position. On a vu du beau derrière. On se rapproche avec le soir Alois Falenta, qui a déjà terminé 4e. Julien Roussel, le soir normand multiple, champion de Normandie, qui a également donc de passer devant nous. Jean vous retrouve absolument avec Antoine Benoist. Passion se met la 2e note. Très à l'aise, dans le top, à 2 longueurs maintenant. Steve Chainel, en France Espoir. Et dans la route, coureur breton de la Poire, 3e position. Axe a gagné une place. En 3e position, Jean Gilet. En 4e position, l'excellent Alois Falenta. Le passant de Kevin Ledanois, qui a disputé ce week-end l'épreuve routière, c'est sur le Tour de Vendée, et il a Antoine Benoist, il reste dans sa 5e position. Calé dans la roue du champion de France l'an dernier, les risques incroyables, avec un Steve Chainel qui retrouve le circuit qui ressemble un petit peu en matière de terrain à celui de Kelnec, où il était il y a 2 ans maintenant champion de France, en tout cas dans la roue de la médaille de bronze à l'Europe et au mondial. Il est bien calé, et qu'en 3e position, David Menut, et en 4e position, l'excellent Yann Gras, 3e sur le mondial, il revient bien, il est en 5e position, Kevin Le Danois, et qu'un petit peu plus loin, c'est le Guyanais Mathieu Boulo qui occupe pour l'instant la 8e place, suivi par PHILIBERT, et dans sa roue se trouvait à l'instant Margarita. Voilà, bien, merci Jean. On revient maintenant avec la tête de course. On voit Julien Roussel qui remonte, l'inamovible champion de Normandie qui avait connu le podium à Kelnec dans une Coupe de France, 4e d'un championnat de France à Besançon. Alors, il y a une lutte absolument superbe, on l'a vu tout à l'heure dans la catégorie des espoirs. Eh bien, on le voit aujourd'hui dans la catégorie élite. Antoine Benoist, nous le rappelons, en cyclocross, s'est distingué évidemment dans le titre de champion de France Espoir. Il a été médaillé de bronze au championnat du monde, médaillé de bronze au championnat d'Europe, et il a également terminé 3e de la Coupe du Monde, ce qui démontre évidemment les qualités de Antoine Benoist. Et puis on a un petit salut amical pour Guillaume Benoist, le tonton qui avait terminé 2e d'un championnat du monde et qui doit être avec nous aujourd'hui. Guillaume, ah il est là, ah oui, on a croisé son épouse. Allez, Kéké! De l'équipe Chassal Cadium, 3 généraux, donc l'information facile dans le protest, et on retrouve Antoine Benoist au commandant et Steve Chainel avec lui, les présents, donc allez, Freddy! parce que la marque avec des champions du monde dans la catégorie espoir. On se rappellera également qu'il avait commencé par le cyclocross. D'ailleurs, immense au tabac. Établissement d'Espagne avait organisé une marche de la Coupe de France en hauteur intermodéenne il y a quelques années de cela, et Kevin y participait dans les rangs juniors. Juste après le ravitaillement, embrassons retrouve Bernard Fichard. Allez Max, allez vas-y. Allez, 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 allez. Allez, Juju, allez, allez. C'est dur, ça monte. C'est bon. Ouais, ça Écart 10 secondes, un autre tandem constitué de David Menut et de Yann Gras. C'était le médaillé bronze au mondial en 2018. Voilà, le coureur sort maintenant de la partie des planches avec coach Bourdon, Antoine Benoist et l'excellent Steve Chainel. À 10 secondes, un autre tandem, Daniel. Voilà, on les a vus. Donc un tandem qui n'est pas très diététique puisque Menu et Gras ensemble donc dans l'épreuve à laquelle on assiste actuellement, donc dans le moment, oui, t'as compris. Donc voilà, on va retrouver la tête de course, les voilà. Donc les deux hommes installés au commandement, pardon Georges, il reste, on va voir le passage donc de la tête de course, on va voir les écarts, bien évidemment Antoine Benoist, Steve Chainel au commandement, derrière, voilà Kevin Ledanois qui apparaît donc en compagnie de Yann Gras. Voilà, donc David Menut était troisième à 14 secondes. On a vu également donc Kevin Ledanois en compagnie de Yann Gras qui vient de passer devant nous. Voilà pour le moment, derrière on aperçoit Trigo donc qui passe à son tour. Également le passage donc d'Alois Falenta qui a souvent brillé dans les championnats de France et dans l'équipe de France. On a vu également les frères du bois attaque. Donc dans la butte, Chainel a répondu. Alors que nous avons donc Antoine Benoist en tête, Chainel deuxième, David Menut troisième, Kevin Ledanois quatrième, Yann Gras cinquième, Florian Trigo sixième, Mathieu Boulo septième, le huitième et Dubot le neuvième, Arthur Tropardy et le dixième, Julien Roussel. En tout cas, continuez pour nos partenaires avec la présence de Bernard qui va nous parler de la région Bretagne, de l'Ille-et-Vilaine et des partenaires directs, Bernard. Effectivement, avec à la 7e place, nous retrouvons Jean Gilet. 7 secondes, on retrouve ensuite Alois Falenta qui est à la 9e place, à 57 secondes. On attend le duo de Normand, Arthur Tropardy et Julien Roussel qui est les balles à tous les deux. C'est Steve Chainel qui est en train de revenir sur Antoine Benoist. Voilà, il est en troisième position. Il arrive. Intéressant en tête de course avec le retour de David Menut du sol. Un peu plus de 4 temps de l'arrivée. Et oui, on a allez, Pilou, allez! Allez, Sion, allez, 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 allez! Allez, Cyril, allez! Il a sauvé parce qu'il n'avait pas les. Ah non, j'ai pas réussi! Menut toujours à une vingtaine de mètres. Tu peux la vérifier ma... Allez, Juju, allez, allez, allez. Comment je vais me faire Florian Trigo, 9e, Alois Falenta, 10e, Julien Roussel, 11e, Arthur Tropardy, 13e, Freddy Guillou, 15e, donc Rodrigue, passe. C'est David Menut qui est revenu en tête, actuellement donc en 2e position. Nous avons Antoine Benoist, derrière on va retrouver donc Yann Gras et Kevin Ledanois. Voilà Yann Gras en 3e position, Kevin Ledanois en 4e. Accélération de David Menut. On a rappelé tout à l'heure les performances qui étaient les scènes de l'équipe. Celui-ci en tout cas, messieurs, on est quand même voilà, effectivement, en tout cas, si on a eu un match à deux pendant 25 minutes, un grand club de Loire, et ce point de la France, situation déjà maintenant, le temps du tour, on flirte avec les 7 minutes et 1 seconde, c'est le temps du tour. Allez, viens, je rentre, allez, 2 secondes, la 3e place. Allez, ça revient là. 3 tours de l'arrivée, sans que voilà, 3 tours de l'arrivée avec David Menut en tête. Antoine Benoist en 2e position. Voilà, c'est la place. Et moi, c'est la contrôle, ils vont des leur carrière aussi. Allez, Steve! Allez, Steve! Allez, Steve! Allez, Steve! Allez, ça revient! Derrière lui, voilà, Steve Chainel. Allez, Yann! Allez, Yann, allez! À 2 tours de l'arrivée avec l'acclameur du public, qui encourage bien évidemment mon cher Nicolas. Donc le point, Antoine Benoist. Ah, c'est toujours le même. Ah, c'est l'apothéose. Allez, Mathieu! Allez, Mathieu! Avec effectivement. Allez, il est pas loin, allez, 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 tu vas chercher! Puisque Steve Chainel n'est pas battu, il est à 7 secondes des coureurs Menut. Derrière. Allez Mathieu! Pour tenter de retenir, il n'est plus qu'à 10 mètres! 10 mètres d'écart entre les deux têtes et la sortie d'Antoine Benoist qui va donc obtenir la victoire devant Steve Chainel en pleine course. comme grand moment de cyclocross. Aujourd'hui, je crois que, évidemment, victoire d'un petit peu sauvage qui est place ici de Kevin Ledanois, l'homme qui fut champion du monde dans la catégorie espoir. Le vainqueur, donc, Antoine Benoist de l'équipe CORENDON-CIRCUS, deuxième Steve Chainel à 3 secondes, troisième Kevin Ledanois à 20 secondes, quatrième David Menut à 31 secondes, cinquième Yann Gras avec un retard de 43 secondes. Et on se souviendra de l'édition 2019 de la Mézière, je sais pas où est Nicolas Le Breton, mais il doit être ravi qu'il est devant un public, Bernard Fichard, venez au grand nombre. Voilà un public absolument extraordinaire, un public de connaisseurs, où ceux qui n'étaient pas connaisseurs vont le devenir, parce que le cyclocross, ça s'apprend vite, et lorsqu'on vient une fois, on y revient. C'est pourquoi il est de plus en plus de monde. Vous pouvez partir avec des crêpes, vous pouvez partir avec des nourriture. Il a été fiancé avec Maïté pendant 6 mois. 6 mois, ouais. Ouais, parce qu'après j'avais une indigestion. Je dis pas de quoi. Alors là, non. Et donc, monsieur Cyril Guimard, qui nous rejoint, Cyril Guimard, l'homme qui a dirigé Lucien Van Dippe, qui a gagné le Tour de France en vélo, c'est normal. En 67, exactement. Grec applaudissement. Les 3 premiers qui nous rejoignent sur le podium. Et à la 3e place va être récompensé maintenant. Il a été champion du monde dans la catégorie espoir. Il a gagné au Tour du Jura. Il est 3e aujourd'hui. Kevin Ledanois, le corps de l'équipe Arkéa-Samsic, récompensé par monsieur Didier Marchand, donc président du comité de Bretagne, qui adresse ses félicitations aux 3 concurrents. Voilà, le deuxième va être récompensé maintenant. Il est allé battre les Belges chez eux en gagnant 3 jours de la panne. Il était proche du podium de Gand-Wevelgem. Il a été champion de France à Kelnok, Steve Chainel. Steve Chainel qui va être récompensé maintenant par l'Eurovision, donc qui lui remet le trophée Ouest-France. Regardez Steve, il dit va pas repartir avec mon trophée, je vais aller le chercher. Je crois que vous pouvez l'applaudir également très très fort, car il n'a pas été épargné par la malchance aujourd'hui. Il n'a jamais renoncé et il est venu terminer à la 2e place. Le vainqueur de l'épreuve est breton. Et il porte les couleurs de l'équipe CORENDON-CIRCUS, champion de France, 3e des championnats d'Europe, 3e des championnats du monde, 3e de la Coupe du Monde, Antoine Benoist, vainqueur de l'épreuve, qui est félicité par... Voilà, Pascal Bourdon, donc premier adjoint, qui adresse ses félicitations à Antoine Benoist, donc le vainqueur de l'épreuve. Et on va maintenant, voilà, les 3 corps prennent place sur le podium. À noter que chez Steve Chainel, le 6 octobre prochain, en 2020, qu'aura lieu la première manche de la Coupe de France sur l'hippodrome de Vittel. Voilà où a lieu le Chazal, donc Vittel Cup et le Canyon Vittel Cup. Voilà le maillot de leader de la Coupe de France, sur vos applaudissements à Antoine Benoist, premier leader de la Coupe de France. Et vous ne pouvez pas voir Didier Marchand, le président du comité de Bretagne, mais je peux vous dire qu'il a un sourire énorme en passant le maillot à Antoine Benoist. Voilà, maintenant, donc les bouquets avec... Non, attendez, voilà Paloma qui embrasse le 3e. Paloma qui a joué dans une comédie musicale, Mamma Mia. Steve Chainel qui a joué dans Les Bidas sont de retour. Et puis... Et voilà, et on retrouve également, donc, voilà, les cadeaux qui sont remis avec la Société Casque, le Chez Saint-Vincent, dont Jean Gilet est actionnaire, donc, voilà. Non, 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 confie pas la bouteille à Steve, il va jamais l'ouvrir. Voilà, Antoine Benoist. Non, Antoine, qu'est-ce que tu fais? La photo d'abord. Allez, pour nos 3 champions, les mains en l'air. Allons les applaudir très fort. Bravo Antoine Benoist, bravo Steve Chainel, Bravo donc Kevin Ledanois. Allez pour nos champions. Et puis bip. Et puis bip. Voilà, merci et bravo à eux. Alors, eh, attendez, c'est pas fini. Attends, le premier breton après Antoine. Hein. Ouais, ah bah oui. On accueille Mathieu Boulo. Il a brillé dans les Coupes du Monde. Il a brillé également au Championnat du Monde. Et il termine 6e. Il est récompensé par Bernard Fichard. T'étais pas né, mais il a fait le Tour de France en 87. Oh l'enfoiré. Donc... Ah là là. Eh, mon blouson qui est tout neuf. Bon, le jean, c'est celui de mon frère aîné, mais... Le parrain, multiple champion de France, 9e, 36 victoires en Coupe de France, Francis